Daphné. Inès. Élodie. Anne-Marie. Charline. Laura. Anne. Lucie. Maud. Valérie. Louise. Valérie. Anna. Anne. La dernière fois, il y a un groupe de mecs qui commencent à m'appeler comme si j'étais leur chat ou leur chien. Je sais pas trop. Enfin, bref, c'est un peu gênant. Et il y en a un qui est venu se mettre à côté de moi pour courir, qui m'a dit « Ah, ça te gêne pas si je me mets là et tout ?» Il dit « Bah, si, moi je vais pas me mettre à côté de toi pendant que tu fais ton footing, enfin, un peu gênant quand même. » Et puis j'ai accéléré, et il m'a pas suivi, mais je suis trop rapide. J'étais à la plage, bronzée, il y a une sauveteuse des postes de secours qui est venue me voir, elle m'a tendu un numéro de téléphone en me disant qu'un de ses collègues m'avait repéré mais qu'il n'osait pas venir me voir. Donc moi je l'ai remercié, j'ai pris le numéro et puis j'ai jamais appelé. Et un mois plus tard, je me baignais exactement au même endroit. Il y a un autre sauveteur qui vient me voir et qui me dit « Oui, est-ce que c'est à toi qu'on a donné un numéro ?» Parce qu'en fait, c'est le mien, machin. Que moi, j'avais enlevé mon maillot de bain pour bronzer. J'étais en train de lire. Donc, il me posait plein de questions. Je répondais pas trop. Et puis, au bout d'un moment, il est parti parce que c'est devenu gênant. Hier soir, j'étais en vélo. Je rentrais toute seule. Je venais de finir de boire un verre avec des amis. Et sur le trajet, en fait, il y a une côte qui est assez grande. Du coup, je me prépare à la prendre, j'accélère, je commence à me mettre debout en danseuse. Et là, en face, je vois un groupe de mecs qui commencent à vouloir me parler. Et là, j'entends « Ouais, vas-y, c'est bien, c'est bon pour le fessier !» Et ensuite, je les ignore, bien sûr, et là, j'entends des sifflements. Voilà. J'étais dans le bus, une heure de pointe en pleine journée. Un type est en face de moi, il se masturbe en me regardant. J'étais complètement interloquée. Je dis « Non, mais ça va pas, mon vieux, t'es malade, t'as pas le droit de faire ça, tu sais. » Je regarde autour de moi, les gens ne réagissent pas. Je suis très étonnée, je le prends par le col, je lui dis « Viens, on va aller chez les flics, tu vas t'expliquer. » À ce moment-là, il s'est levé, il est parti en courant, et moi je suis restée en bus. Je m'appelle Aude. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Inès. Je m'appelle Daphné. Je m'appelle Maude. Je m'appelle Charline.